qu'aujourd'hui, c'est jour 2 de notre voyage, sans compter genre le travel day. Donc on est le 24 août, puis on a décidé de venir déjeuner au Animal Kingdom Lodge. Fait que pour se rendre ici, on a pris la bus de Pop Century à Animal Kingdom et de Animal Kingdom la bus pour se rendre au Animal Kingdom Lodge. Et on a mangé au Quick Service de Mara. Puis c'était très bon. Moi j'ai pris un croissant, ça m'a coûté environ 10$ avec les taxes, fait que c'est assez abordable. Puis pour avoir accès à tous les restaurants comme Animal Kingdom Lodge, c'est pas mal tout dans la section Jumbo House. Fait qu'il y a deux bus, il y a deux arrêts de bus à Animal Kingdom Lodge, donc arrêtez au Jumbo House. Puis c'est ça, là, on va relaxer aujourd'hui, on va faire ce qui nous tente. On va pas dans les parcs, donc on va vraiment faire des activités qui coûtent rien. Et là, ben, on regarde la savane africaine du Animal Kingdom Lodge. Mais Marie-Christine, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans un parc un samedi? Parce que les samedis, il y a trop de monde dans tous les parcs, puis on veut pas gaspiller un billet de parc thématique. Pour moi, ça me cause pas problème, mais pour lui, ça coûte très cher. Alors là, samedi, on prend ça relax, puis on va aller à Disney Springs sûrement pour aller dîner. Donc, on profite de ce qui est gratuit et on n'est pas comme 3 heures dans les files d'attente. Donc, c'est un bon truc pour vous. Portrait Wings, c'est qu'on est retourné à Disney Springs. On a magasiné, on est retourné à l'hôtel, on s'est baigné, on a pris notre douche. Et là, je suis seule à Magic Kingdom parce que Phil a besoin de se reposer. Fait que là, j'ai un fast-pass pour Winnie the Pooh. Je sais pas où il est à quelle heure là, parce que mon sel est dans mon sac. On va voir. C'est bon. Toujours aussi cute, mais à un moment donné, j'ai comme arrêté plusieurs fois, fait que c'est un petit peu louche. Là, j'essaie de me trouver quelque chose qui est comme pas trop long parce que mon fast-pass est à 8h15 pour Pirates. Fait que là, on regarde qu'est-ce qu'il y a à faire. Oh, je me suis pris un petit dos whip juste parce que j'avais tellement chaud. Genre, mon front était en feu, c'était dégueulasse. Et là, je me renferme mon fast-pass de Pirates. Alors, je pense que c'est pas trop long parce qu'après ça, faut que je me grouille à quitter parce qu'il faut l'artifice.
ça va être le bordel après ça, donc j'essaie de me grouiller un petit peu là, dans mon temps. Yeah! Le show est en 10 minutes! Faut que je sorte de Magic! Genre, je marche tellement vite, j'avais marché autant vite que ça! Parce que après le show, les bus ça va être insane! Fait que là, je marche jusqu'au fond vraiment du parc! Peut-être regarder un petit peu les feux d'artifice et m'en aller le plus vite possible parce que je ne veux pas faire une heure et demie d'attente pour l'autobus! Let's go! Update. Je suis rendue dans l'Emporium, j'essaie de couper Main Street, je sais pas si je vais arriver. J'aimerais voir au moins 5-10 minutes du show. Okay, je suis rendue au bout de Main Street, j'ai couru, c'est chaud. Je vais essayer de me trouver un spot en haut de la station de train pour voir un peu le show, mais ça devrait commencer genre assez bientôt. Puis la fille va pleurer, tu sais, ça va être tout le temps. Fait que, oh non, on va espérer pour avoir un peu le show, pas trop attendre le bus. Fait que, on va aller se placer pour ça. Magic Kingdom, je répète, j'ai quitté Magic Kingdom. J'ai cherché ma bus. Fait chaud. Fait chaud. Ouh. On est capable d'y arriver, pas trop de fil. Yes! Bon, je suis arrivée à Pop. Ça a pris 12 minutes de bus. Je suis arrivée à l'arrêt, la bus est arrivée. Regarde, il n'y a rien de mieux que ça. Moi, là, prendre l'autobus, j'attends pas pour ça. Fait que là, je vais vous dire bonne soirée. Hein? Marc-Christine, on va aller se coucher. Demain, grosse journée à Animal Kingdom. Fait qu'on se dit à la prochaine pour dimanche prochain. 4h pour la prochaine vidéo. Dimanche prochain, t'es là, hein? 4h. T'es là. Hein? Ok, salut, bye!